Salut tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Ne faites pas attention à ma chevelure ou autre chose, parce que c'est complètement catastrophique. Et en plus de ça, il fait magnifique dehors, un magnifique temps. Et c'est vrai que ça fait longtemps. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça fait plusieurs jours en fait que je me suis. Enfin, il y a environ 4 jours, parce que ça s'est produit il y a plus de 72 heures. Et je me suis dit, bon, allez, est-ce que tu sors une vidéo? Est-ce que t'en sors pas? En fait, parce que c'est quand même assez intéressant, mais à la fois, bon, peut-être les gens le savent déjà. J'en ai un peu parlé, puis les gens ne savaient pas vraiment. Donc c'est pour ça que je fais tout simplement cette vidéo aujourd'hui, pour vous parler de ça et de vous dire de faire très attention, même si c'est pas si important que ça, c'est quand même le social club. C'est pour jouer principalement, donc ici à Grande Verre Photo. Et si vous voulez, ça a été un peu hacké entre guillemets. En fait, des données comme des mots de passe ont été leakés pour environ 200 000 comptes Social Club, donc ce n'est pas rien, sachant que votre compte Social Club est aussi lié à votre PSN ou à votre Xbox Live. Donc faut faire extrêmement attention. Il n'y a pas eu de mail de Rockstar qui disait simplement bah voilà, il y a eu un certain nombre de comptes qui ont été leakés, enfin au niveau des mots de passe, et voilà, à changer le mot de passe tout simplement. Il n'y a pas eu ça comme type d'information, ou en vous disant votre compte a peut-être été leaké. Alors c'est très bizarre, parce qu'en fait, si vous voulez, quelque part, ces mots de passe et tout, ils ont été leakés sur des sites un peu partout. C'est quelqu'un qui a dû hacker tout simplement le compte, et enfin le social club, et a tout simplement s'est amusé à leaker tous les mots de passe et tout un peu partout pour 200 000 utilisateurs. Donc c'est pas rien. Donc moi honnêtement, je vous conseillerais plutôt à remodifier votre mot de passe et tout, à part si vous l'avez déjà fait, si vous avez eu des informations quelconques. Bah tant mieux, faire très attention à ce genre de choses, surtout que ça a bloqué certaines personnes de jouer à GTA. Forcément, il y en a qui s'amusaient à bloquer les comptes et tout, et donc il y en a qui n'arrivaient plus à jouer à GTA, donc c'était assez embêtant pour eux. Vous pouvez aussi contacter donc le support de Rockstar, voilà, si vous, enfin l'email support, si vous avez des questions à leur poser ou des trucs comme ça. Normalement ils répondent pas vraiment, mais voilà, si vous avez vraiment voulez récupérer votre compte. Alors le souci principal, c'est qu'il faut vraiment prouver que c'était votre compte, et ça c'est un peu un des gros problèmes, donc malheureusement c'est un peu compliqué à faire tout ça. Mais voilà, c'est à peu près tout en fait pour cette petite vidéo informative à propos du Social Club qui a été hacké, plus de 200 000 d'ailleurs. Vous pouvez regarder peut-être sur le net, vous pouvez trouver peut-être des comptes déjà, enfin toujours en tout cas sur le net à mon avis, voilà, ce genre de choses ça reste sur le net. Et ouais, ça c'est, à la fois je me dis, je comprends pas pourquoi ils feront ça en fait. C'est quoi l'intérêt de... Enfin, c'est à part faire chier le monde, mais je comprends pas l'intérêt en fait de leaker des comptes comme ça, Social Club, parce que Social Club, ce qu'on met dedans, c'est peut-être des informations vraiment personnelles, mais enfin, il n'y a pas... Enfin, je crois pas qu'on peut mettre sa carte bancaire et tout, hein, c'est rien à voir. Enfin, bon, ouais, dites-moi franchement ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Moi, je me pose des questions là-dessus. J'utilise pas vraiment Social Club, donc je peux pas vraiment vous dire. Mais je vois pas vraiment l'intérêt en fait de hacker ça. Voilà, merci pour tous les gens. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out. N'oubliez pas de regarder ma page Facebook et tout. Et voilà, tout ça, c'est dans la description. Vous faites comme vous voulez. Et puis, voilà. Ciao, blabla. Voilà.